Yo tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pack opening sur FIFA. Et donc on a quelques packs. Bon, c'est pas des packs extraordinaires, hein, malheureusement. J'ai pas des packs folichons, hein, mais j'essaierai d'avoir des meilleurs packs au fur et à mesure. Un Italien. Vraiment pas ouf les packs. Hein. Attendez, là, quand même des bons trucs, mais. Je l'ai lui. Je l'ai. Ah, je l'ai en doublon. Pourquoi je n'ai pas mes canons en doublon? Je ne peux pas en tirer de monnaie, hein. Je préfère le vendre en vente rapide. D'accord. Allez. J'espère un truc quand même plus intéressant. Un Brésilien. Attaquant Al Nasser. Yank. C'est pas dégueu, 82 de général. Hein. Pour une équipe, c'est toujours bien d'avoir un petit. Pas un petit, mais toujours un joueur qui peut suivre en attaquant. Même si c'est pas vraiment le poste que je recherche. Ah voilà, ça que j'aime bien. Deux joueurs. AG, j'en aurai besoin. J'en aurai besoin dans mon équipe parce que mon autre AG, bah, y a bientôt une fin de contrat. Parce que lui, c'est un joueur en prêt. Donc c'est pas vraiment moi qui l'ai acheté. Je l'ai dans un pack, je crois. Donc voilà. Alors, nous avons quoi comme joueur? DC. Bah avoir un petit DC quand même, c'est toujours quelque chose qui peut être très intéressant. C'est un bon DC là, toujours intéressant parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de bons DC. Bon, allez. Prochain pack. Bah un goal, j'ai déjà mieux. Après, j'ai pas beaucoup de bons goals. Donc pour voir des petits packs et tout, ça peut être bien. Après aussi des goals et des DC, je n'ai pas beaucoup en or pour des probables packs. Allez, le dernier pack. Après, on se retrouve avec d'autres packs. Ah, Fernando. Bon, je vais prendre le Fernando. Parce que en buteur, j'ai pas vraiment besoin. Mais après, sinon. Tous les cas, en fait, je pense avoir pris Fernando. Et ouais, le buteur, la vitesse, c'est pas le plus incroyable. Et bah, je l'ai déjà. Et c'est génial. Je savais même pas. Et je l'ai déjà. Bon, bah. Si j'aurais pu savoir, j'aurais été content. Et pas de pack en réduction, de toute façon. Avec l'argent que j'ai, je pense que j'aurai pas les moyens. Bon, on se retrouve quand j'aurai des prochains packs. Dans mon clash d'équipe, bon, j'ai eu deux packs en or. Donc on va les ouvrir tout de suite. Désolé les amis, j'ai eu un bug d'enregistrement, d'un coup ça a coupé. Oui, de toute façon, vous n'avez pas loupé grand chose. Hein. Les joueurs ne sont pas extraordinaires, après c'est des packs or, c'est pas... C'est toujours des bons packs. Non. En fait, je vais peut-être les garder. Je vais tous les dégager. Mais les garder, ça peut être utile à des moments. Après, je dégage tout ce qui est cosmétique en rapport avec le club. Parce que je vais dire tout ce qu'il me faut. Mon club, je l'ai déjà. Je vais passer. Peut-être pas du. Et si, franchement, c'est pas si grand, ouais. Entraîneur, même pas. C'est bon, j'en ai assez comme ça d'entraîneur. Je veux pas plus d'autres. C'est bon, là ça me suffit. S'il faut, j'augmente le contrat de certains entraîneurs. Allez compter, ça s'arrête plus, ça tourne à l'humiliation cette histoire.
Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Dans cette contre-attaque, la récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! Troisième but en ce match, une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. On le revoit sur ces images, ce centre de part bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Le doublé est magnifique, il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Pour ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. C'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille ? Voilà un corner joué à deux, ça permet de déstabiliser le marquage défensif. Et à la réception, c'est le ballon qui cherche la caresse pour une volée plat du pied, tout en apesanteur qui fait danser les filets. Il est furieux le coach après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Quel golazo ! Personne ne s'y attendait ! Et ce but inscrit dans un angle invraisemblable ! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Puissance, place. Ça s'arrête plus, ça tourne à l'humiliation cette histoire. Et voilà encore une fois, tout le but est dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. La finition est assez simple en réalité. Le ballon est en l'air mais la défense ne parvient pas à intervenir. Tête. Le doublé est magnifique, il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. C'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille ? Troisième but dans ce match, une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. On le revoit sur ces images, ce centre de part bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer.
Bah les amis, ce joueur, hein, franchement, un bon petit général, un petit 90 aurait été pas mal. Après, on va pas s'en plaindre, hein. c'est pas dégueu. Vraiment pas dégueu. Ok, nous avons un autre joueur. Ok. Ouais, bon. Pas des joueurs exceptionnels, malheureusement. Ok, des joueurs 83 de général ou plus. Ou. Italien. Équipe de la semaine. Perrin. Ah, c'est le goal de la Juve. Ok. Ok, ok. Et il se peut que je mette ce goal maintenant. Franchement. Équipe de la semaine, je suis choqué. Je crois que c'est la première fois que j'ai un joueur de l'équipe de la semaine. États-Unis. Est-ce que ça m'a rapporté de l'argent si je le vends? Non, bon, bah, je garde. Contre-attaque, la récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Allez!